Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts à découvrir une des nouvelles fables de La Fontaine. N'hésitez pas, si ces vidéos vous plaisent, à les liker, à les commenter, à les partager, mais aussi et surtout à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Nous allons vous présenter aujourd'hui une fable de Jean de La Fontaine qui n'a jamais été publiée du vivant de l'auteur parce qu'elle évoque tout simplement la lutte entre Colbert et son rival Fouquet. Des deux animaux, saurez-vous lequel ? Et lequel ? Belle écoute. Le renard et l'écureuil. Il ne faut jamais moquer des misérables, car qui peut s'assurer d'être toujours heureux ? Le sage Ésope, dans ses fables, nous en donne un exemple ou deux. Je ne les cite point, et certaines chroniques m'ont fourni un plus authentique. Le renard se moquait un jour de l'écureuil, qui voyait assailli d'une forte tempête. « Te voilà, disait-il, près d'entrer au cercueil, et de ta queue en vain tu te couvres la tête. » Plus tu t'es approché du fait, plus l'orage te trouve en butte à tous ses coups. Tu cherchais les lieux hauts et voisins de la foudre, voilà ce qui t'en prend. Moi qui cherche des trous, je ris en attendant que tu sois mis en poudre. Tandis qu'ainsi le renard se gabait, il prenait main pauvre poulet au gobé. Lorsque l'ire du ciel à l'écureuil pardonne, il n'éclaire plus ni ne tonne. L'orage cesse et le beau temps venu, un chasseur ayant aperçu le train de ce renard autour de sa tanière, « Tu paieras, dit-il, mes poulets. » Aussitôt, nombre de bassés vous fait déloger le compère. L'écureuil l'aperçoit qui fuit devant la meute qui le suit. Ce plaisir ne lui dure guère, car bientôt il le voit aux portes du trépas. Il le voit, mais il n'en rit pas, instruit par sa propre misère.